pied, hein, ton pied gauche. Voilà, voilà. Exactement. T'as vu que t'as largement le temps de le décaler, le pied, hein. Depuis les vestiaires, on perçoit à peine la clameur de la foule et l'ambiance des combats de poids coq ou moyen qui précèdent celui de Johan Duhaup. Lui reprend patiemment et déjà en force les coups 100 fois répétés avec ses coachs et entraîneurs. Lui, il la prend et si tu la donnes, tu la prends pas. C'est un centre omnisport archi-comble qui accueille et acclame l'enfant du pays, le gamin du Rouvroy, déjà champion de France, qui se bat là pour un titre européen. En face, le Finlandais Jarno Rosberg, qu'on dit puncher, dont le poing gauche pourrait troubler Johan. L'ambiance le porte, mais lui n'entend que ses hommes de coin. La tactique, c'était d'entrer dans le combat rapidement, mettre de la pression, faire un gros travail de sape au corps pour l'empêcher de se déplacer, et s'appuyer plus vite que la pensée. Premier round, déjà, Johan prend le pas sur son adversaire. Deuxième reprise à nouveau, il mène au point. À la troisième, il se fait plus dur encore. J'ai senti dès la fin du premier round que j'étais déjà en avance, enfin que je gagnais les rounds. Il ne plaçait pas de coups précis. J'ai réussi à placer les miens. Donc là, jusque-là, j'avais gagné les deux premiers rounds. Dans le troisième, il a pris le coup au foie et je sais très bien ce que ça fait un coup au foie. Ça, pour récupérer d'un tel coup, c'est jamais bon. En plus, il restait quelques rounds derrière, quoi. Avant le combat, Johan disait qu'il serait dur. Il se préparait pour 12 rounds. Finalement, c'est au quatrième qu'il met son adversaire à terre. Johan Duhaup est vainqueur par KO. Il va toujours en s'améliorant. Il y a beaucoup plus de sagesse dans ce qu'il fait, beaucoup plus de sobriété. C'était clair, net et précis ce soir. Johan Duhaup offre ainsi la fierté d'une ceinture européenne à Abbeville et à tous ceux qui l'ont soutenu dans cette aventure. Pour la suite, c'est la règle, il lui faudra défendre ce titre et celui de champion de France dans les mois qui viennent.